Alors, je suis Victor Jay, cofondateur de Stories. Alors, Stories est parti d'une ambition, celle de faire des magasins et des centres commerciaux des lieux de vie. Un lieu de vie en commerce, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, à l'ère du digital, amener plus d'expérientiel dans les points de vente pour les différencier durablement du e-commerce. Donc par exemple, toucher les produits, les goûter, les tester, mais aussi profiter du contact humain pour se faire conseiller, se divertir et partager un savoir-faire. Derrière, l'objectif est de faire du point de vente un lieu de divertissement, un lieu de rencontre, un lieu d'animation, tout simplement. Bref, une véritable agora moderne où la société, qui a besoin plus que jamais de liens sociaux, prendra tout simplement plaisir à se croiser. Stories accompagne les points de vente dans leur transition vers des lieux de vie, en leur mettant à disposition via une marketplace toute une sélection d'animations. Nous effectuons pour ce faire une mise en relation à valeur ajoutée, en sélectionnant minutieusement et en accompagnant des professionnels pertinents pour la réalisation de ces animations. À titre d'exemple, un point de vente peut aujourd'hui trouver sur Stories des ateliers de dégustation de vin proposés par des œnologues, des animations de sensibilisation à l'agriculture bio proposées par des associations, des démonstrations de cuisine faites par des chefs, etc. etc. L'idée est vraiment d'ouvrir la boîte de Pandore de l'animation, car le champ des possibles dans ce domaine est juste immense. Alors pour commencer, Wavestone est un nom reconnu sur le marché, qui donne du crédit à une jeune entreprise comme la nôtre. Ensuite, je dirais un accompagnement qui est bien calibré grâce à l'accès à des experts des secteurs de la grande distribution et de la grande consommation. Également, un rapprochement avec les autres startups incubées pour certaines bien avancées, ce qui permet le partage d'expérience. Et enfin, bien sûr, cette vidéo qui est la bienvenue. Alors des défis, il y en a beaucoup. Déjà, nous faire connaître d'un maximum d'enseignes et les convaincre toutes de la pertinence de notre offre, tout en l'adaptant bien sûr à leur retour. Ensuite, consolider notre jeune et belle communauté de professionnels qui comprend aujourd'hui près d'un millier de personnes et d'entreprises. Et enfin, bien sûr, enrichir notre plateforme de super fonctionnalités pour offrir un parcours utilisateur le plus fluide possible. Alors, notre objet fétiche est tout simplement un caddie. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu venir avec, le personnel de sécurité me l'a bloqué à l'entrée. Alors, pourquoi un caddie? Tout simplement parce qu'il symbolise notre société de consommation et en même temps, parce qu'il a des roulettes. Il est donc fait pour bouger dans le sens que nous lui donnerons avec nos partenaires et bien sûr nos clients, les points de vente.